Salut les pilotes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Test Drive Unlimited. Je crois a priori le 21ème, ouais c'est devenu super rare que je dise ça, mais voilà. Et donc la dernière fois on s'était laissé sur une course que j'avais perdue avec ma Ford GT. Et bah j'ai fini par la gagner après en fait. C'était le... une grande boucle je crois, mais entre temps, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté une j'avais acheté une voiture, en fait je l'avais réservée plutôt, et elle n'était pas disponible en fait, c'était la Lamborghini Miura, et donc elle est arrivée entre temps, et donc il va falloir que j'aille la chercher. En fait elle est ici si je ne me trompe pas, donc je vais marquer ça sur le GPS. On va descendre chercher cette voiture en fait, donc voilà quoi. Ok, je sais pas combien de kilomètres ça va me faire, par contre une bonne quarantaine au moins. 63, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, vous roulez dans la mauvaise direction, faites demi-tour. Et c'est parti! Thank you.
On arrive enfin à ce concessionnaire classique, European Classic. Vous avez atteint votre destination. Après 20 bonnes minutes de route, j'y suis arrivé. Ouh. Voilà. La 281 GTO, mais c'est surtout celle-là qui nous intéresse. La Lamborghini Miura. Un V12, un des premiers V12, il me semble. Hein. Ouais. D'une tonne 245, je pensais qu'elle était plus légère. Alors, 0 à 60 miles, c'est correspond à peu près au 0 à 100, c'est en 6 secondes 7, pas mal. C'est un peu marrant qu'ils aient mis le 0 à 60 miles plutôt que le 0 à 100. Ça sent, sachant que les développeurs du jeu sont quand même français. Acheter ce véhicule, évidemment que oui. Et voilà. Nous voilà donc au volant d'une Lamborghini Miura. Bon ben je pense qu'on va aller la tester directement. On va faire quelques courses en groupe G. On va voir un peu ce qu'il y a. Je pense que je vais même utiliser le paramètre qui va là. Alors, la section véhicule, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe G. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, ouais. Aucune limitation, non, sérieux les gars. Bon. Ils ont pas tout à fait compris. Ah, j'ai une course ici. Le tour du succès, on va essayer ça. Nous recalculons votre itinéraire. Ah ouais, maintenant que je m'en souviens, ces voitures-là... La plupart des groupes G, elles avaient la particularité de ne pas avoir de rupteur dans le jeu. Je crois que c'était comme ça, hein, à l'époque, et c'est respecté dans le jeu. C'est plutôt pas mal. Ah oh. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Et les rapports étaient assez longs, mais c'était une voiture qui, dans l'absolu, était assez rapide. Franchement, elle roulait plutôt bien. Je l'aimais beaucoup. Ouais, la quatrième servait presque à rien, quoi. Je me souviens de ça aussi. Votre destination se trouve à 3 km. Votre destination se trouve à 2 km. Nous
recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 1,5 km. Votre destination se trouve à 1 km. Votre destination se trouve à 500 mètres. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Et voilà, on y est, cette course. Vous avez atteint votre destination. Bon, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Oh, le score est fait à 194 km/h de moyenne. Là, je sais pas trop quelle route là. Ok, je suis sur la bonne route. Mais je suis pas passé bien vite là. Va falloir faire mieux aux autres passages parce que là c'était pas bon. D'avoir fait une erreur là ou peut-être pas. Mon premier gros passage là, mon premier bon passage selon mon avis. Comme je le pensais, 176 km/h c'est bas. Je vais la refaire hein, parce que ouais, je peux faire mieux que ça. C'est parti. C'est bien mieux aussi. Et plus que le dernier. Ah non, il en reste deux, pardon. Mais bon, là, on peut y aller pied au plancher. Hein. Il n'y a rien qui devrait m'empêcher de passer là tranquillement. Et voilà. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux quand même. Hein. 194,17 alors qu'il demandait 194. Faut pas s'attendre à... Ouais. Bon, bah... On va essayer une autre petite course pour voir. Hein. Continuer de la tester un peu. Qu'est-ce qu'on a? Et pas à 30 km, s'il vous plaît. On n'a
pas grand chose hein. Ah, j'ai ça là. Je vais aller faire cette course là. Il réclame une... Nous recalculons votre itinéraire. Si c'est une course, ouais, niveau pro par contre. La voie est libre. Trouve le moyen d'aller percuter les voitures qui roulent sur la voie d'en face. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si je vais pouvoir les rattraper. Ah que si, c'est faisable. Ils sont pas si loin que ça. C'était une grosse erreur quand même. À la spi, enfin c'est pas une bonne idée, il roule vraiment super mal. Même avec le GPS, quand on arrive par ici, c'est toujours un petit peu compliqué de voir quelle route on doit suivre.
tournez à gauche. Prochaine interception, tournez à droite. Voilà, l'aéroport en fait. Au loueur de voiture. Voilà. Course gagnée. Facilement en plus. Bon bah je pense qu'on va se laisser là pour ce soir hein. Très franchement. Avec cette sympathique Lamborghini Miura. Ouais, je vais vous dire ciao.